Very kind. Rear window. Oui. You're getting a floor show this afternoon, aren't you? Mm-hmm. My rear window is going to be interesting. Rear window, quel... I'm going to do a big one now. Je n'ai pas trouvé en français la nouvelle de Woolrich. It's a short story. The story in French. It was quite a short story. It dealt with a man in a room. Très bon. Il s'agissait d'un homme dans une pièce. He was incapacitated. Qui était, I think he had a man invalide. Who looked after him, but wasn't with him all the time. Lui. And it dealt with the bare facts of what he saw through the window. Il s'agissait de simplement de ce qu'il voyait. And the threat of the man coming around. I think the final touch in the short story was the je man shot at him. Le, la chute. But he was able to take down a bust of Beethoven. Il a pu descendre un buste de Beethoven et le tenir. In silhouette, and the man silhouette. Shot it. Et didn't l'homme strike me as a pris son coup de fusil. Ah oui. Ce qui vous a tenté au départ, c'était peut-être le défi technique d'abord. The technical aspect. Entirely. Well. Entièrement. Well, you had the possibility now for doing a purely cinematic film. Faire un film purement in other words, you had the immobile man vous aviez seeing immobile, regardant one piece of film, he looks. Un morceau de film, the second il regarde, piece of film is what he sees, film, c'est ce qu'il voit, and his reaction. Et ses réactions. This was the cinematic motif all the way through motif the film. Cinématique à travers tout le film. Proving the three pieces of film represent what we know as the purest expression of cinematic idea. Pudovkin, you know, Pudovkin, comme vous le savez, always wrote about the woman who looked down at the dead qui regardait baby, le bébé mort, and the face never changed, et but la you figure felt ne changeait jamais, compassion. Take away the baby shot. Vous enleviez le, la vue du bébé. Put a plate of food. Et vous mettiez une, un there plat was de nourriture. Hunger. Just in the same way that we take a close-up of Stuart. He looks out of the window. Il regarde hors de la fenêtre. We'll say, for example, on dirait he par sees exemple, a woman holding a baby. Tenant un enfant. And you cut back to Stuart. De he nouveau. Smiles. Take away your middle piece of film. Vous enlevez votre film du milieu. Sees. Qu'est-ce que vous voyez? He looks some other piece of film. Il voit he un autre smiles. Autre film. Il sourit. Now, let us put in a middle piece of film, mais non, si dans ce a girl film in the film. Nude. He's now a dirty old man. Parce que c'est un personnage qui n'est que curieux. Finalement, il est assez immoral. Et vous le condamnez un peu. Well, he was a peeping Tom. Mais c'est ça, c'est un voyeur. Il well, there was a complaint about that. I think il y a that, une plainte à propos de ça. That, Le Jeune on the London Observer made some comment to the fact that it was a rear window was a horrible film because it was a man was peeping all the time. I don't think you have to say it's horrible, you know, but they were anti-American anyway over there, but sure he was a peeping Tom, but aren't we all? Oh dear. We become a race of peeping Toms. What people ought to do is get outside their own house and look in for a change. Yes, sir. How's that for a bit of homespun philosophy? C'est ça. Il est même dans la position du spectateur d'un film qui regarde un film. And he's even. I'll bet you 9 people out of 10, if they see something across, like a woman undressing and going to bed, or even sometimes a man pottering around his room doing nothing, 9 people out of 10 will stay and look. They won't turn away and say it's none of my business and pull down their own curtain. They won't do it. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'en travaillant au scénario, vous êtes devenu au fur et à mesure assez ambitieux et que peu à peu la cour est devenue un peu une image du monde, plus ou moins consciemment. You had every type of behavior. You had little stories going in each one. You had to do that. Chose. It il would have been very ça. Dull ça if they'd merely intérêt. Been people. Si you know, oui. Each had to have a story. Chacun
because that was, you were showing, you were reflecting a little world, as you say. C'est ça, mais tout est sur l'amour en même temps. Le problème de Stewart, c'est qu'il n'a pas envie d'épouser Grace Kelly. Elle veut absolument se faire épouser. Et sur le mur d'en face, on voit toute l'histoire du couple. La femme seule qui n'a pas d'amant ni de mari, les jeunes mariés qui font l'amour toute la journée, le musicien qui est tout seul, et un couple marié depuis longtemps, et la femme qui est insupportable et dont le mari veut se débarrasser. Et eux sont dans la situation inverse de Stewart, parce que c'est la femme qui est clouée au lit par sa maladie et l'homme qui est libre de ses mouvements. C'est très satisfaisant. There was one thing I was very unhappy about. Il y avait une chose qui m'a rendu très malheureux. I had in charge of music called Franz Waxman. Vous connaissez le nom. C'était un homme qui était surtout à Warner autrefois, non? Waxman, il était le musicien pour Rebecca. And I made a mistake in having that type of man to do the music because I was very anxious to get from it a popular song. And I should have had a man who writes popular songs to do it. And I made a mistake because I wanted the music musician to hear, composing the song and throughout the film hear the development of this song. Until in the end it's played on a record with full orchestra joué, that you could use it the way through and it didn't work out. I was very disappointed. Ça n'a pas mal. Ah oui. Il y a l'idée qui est belle quand même, que c'est quand le compositeur réussit sa musique que ça empêche la femme seule de se suicider. Mr. Jeffries, the music stopped her. Yes, that's right. Beautiful idea. Et j'oublie aussi dans l'énumération le couple and sans enfants qui a tout reporté sur le chien. C'est certainement votre meilleur scénario. I must have been very creative around that period. Helen, the batteries were well charged then. Et il y a là encore un enrichissement formidable avec l'idée de l'alliance. Grace Kelly veut se faire épouser. Lui ne veut pas. Elle est dans l'appartement du tueur. Elle cherche l'alliance qui est la preuve. Elle la met au doigt. Elle lui montre de loin. Formidable. C'est une double victoire. It's a double victory. Belle idée, ça. Hope you're not bored. La scène de la mort du chien aussi est extraordinaire. Elle est très disproportionnée, exprès, je pense. But I couldn't imagine any of you being so low that you'd kill a little helpless, friendly dog. The only thing in this whole neighborhood who liked anybody. Pour donner ou pour donner le sentiment du drame, ou peut-être pour suggérer. C'est-à-dire, elle est faite comme si c'était la mort d'un enfant. Et c'est le seul moment où la mise en scène change de parti pris, de point de vue. It's your point. Ça devient purement objectif. It becomes pure. It does for that moment. Oui. C'est ça. Et il y a une chose, d'ailleurs, je pense, qui doit être une règle pour vous aussi. There's one thing. Quand vous avez un décor, un grand décor, c'est de réserver la plus grande vision pour un moment de choc dans l'histoire. Par exemple, la cour du procès Paradine. Paradine. On le voit en entier. On le voit. Will you see the whole quand thing? Gregory Peck s'en va. Oh, Lord, I regret that I can go on no longer. I request your lordship's indulgence to let my friend, Mr. Collins, take over the conduct of this case. That's right. Well, that is the point. That brings me back to our point we were discussing, the size of image in terms of using the long shot
de se servir du long, de la longue prise pour des buts dramatiques et pas something. Simplement pour for example, par exemple, the other day I was doing this hour show, je faisais ce spectacle, and we had a scene in a police station. Et nous avions une scène man comes in to give himself up, so I sat up by the desk and the door. Alors, auprès but I didn't bother to show the whole set. So they said, aren't you going to show that alors, it's a police station, the whole thing? Comi- I said, why? The sergeant has three stripes on his arm, right near the camera. That's enough. That long shot may be very useful to you in a dramatic moment. Why waste it? Il y a un autre moment aussi où ce qu'on voit n'est pas du point de vue de James Stewart, c'est quand l'assassin s'en va pour it's venir le chercher. Lui. And here, take this. Look, I got $20 or so in my purse. Give me what you got. What about the rest? Well, most cops see Lee as a value and contribute. C'est pour, yes, que, yes, c'est pour sure. que l'audience en connaisse plus. Là. It's so... Oh, yes, yeah, sure, okay. sure. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est quand l'assassin entre dans la pièce et lui dit « Que voulez-vous de moi ?» From me. Effectivement, l'autre ne sait pas, parce que c'est pire qu'un, qu'un policier ou a policeman. C'était, il était agi par la pure he was really curiosité. Motivated by c'était complètement morbide. It, yes, that's what it was. C'est vrai. C'est pour ça que ce qui va lui arriver, au fond, c'est bien fait pour lui. Sure. Et là, un peu comme souvent aussi, il y a cette chose arbitraire, mais qui est bonne, c'est les flashs. Ah, well, you see, the flashes, là, les flashs come again into that always seeming to me, by my desire or wishes. You remember we talked about in Secret Agent. We are going secret. To Switzerland. Nous allons en Suisse. What do we have in Switzerland? Qu'est-ce que nous avons en Suisse? We have milk chocolate, nous avons des chocolats lakes, oui. Alps, they must be used. Therefore, you have a photographer. You must use something of the photographer. I think, to me, it's essential always to use the atmosphere around a character or a place. It's inevitable that it must be used. I feel I'm neglecting something if I don't use it. De ce point de vue, l'exposition est formidable. Quand on voit que Stewart a la jambe dans le plâtre, sur la table, il y a l'appareil cassé, l'appareil de photo. Au mur, il y a des photos de des photos violentes, de voitures qui se renversent. Well, that's our, again the use of our medium to tell the story. Le cinéma. How much more interesting than for someone to say, how did you break your leg? And he replies, I was taking a picture of a motor car race, a wheel came off and smashed into me. Isn't that right? That's the average scene, you know. One of the worst things you can ever hear a writer say when faced with a problem, quand to me, un problème pour moi, the again we'll use the word cardinal sin, quote, we will cover that in a line of dialogue. Non, non, ça permet là au dialogue de ne pas avoir une fonction utilitaire. Remember, I said, vous dialogue, que le dialogue is something. Est quelque chose that comes out of the mouths of people who are telling a visual story. La fin aussi est bien faite. Il y a, c'est une fausse fin heureuse, quoi. Yeah. Parce que la, oui, il y a cette note humoristique. Il a les deux jambes dans le plat. Et il s'est endormi. Elle lit un livre sur l'Himalaya pour lui faire and plaisir. Et ayant vu qu'il est endormi, right. elle reprend son magazine de mode. That's right, sure. Finalement, c'est assez pessimiste. Finally, it's rather pessimistic. Quand j'avais vu le film la première fois,
J'avais écrit qu'il était très très noir, très pessimiste et très méchant. Et en le revoyant l'autre jour, je trouvais qu'il n'était pas méchant du tout. Et qu'il y avait même une certaine bonté dedans, dans le regard. Sur le, il est fait entièrement sur les faiblesses humaines. Et avec, finalement, avec beaucoup de, d'indulgence. C'est votre avis ? Ah, il y a aussi une chose, oui. La scène d'amour. Souvent, vous ne montrez pas ce qui précède le baiser. Vous attaquez souvent par le visage de la femme qui entre, sans même qu'on l'ait vu entrer dans la pièce. Il y a une raison pour ça. I think it's what we call getting down to cases, getting to the point. Pas perdre son temps. Ah bon. Et autre chose aussi, dans ce film-là et dans d'autres films, le baiser est truqué. Pas le baiser, mais l'approche des visages. C'est saccadé comme ça. Comme si vous aviez doublé une image sur deux. Vous pouvez dire ça. I nearly tried in the. There was one scene I didn't shoot in The Bird. I was going to do a love scene. I dropped it. It was held up. I was going to have the two heads apart, séparés, coming together, and I was going to try and whip the camera. Et fouetter la caméra. Well, he would use as a whip, doesn't he? Fouet, does he understand what whipping the camera means? Ce que ça veut dire? A quick pan, very quick. Un pan oui, très oui, rapide. Oui, fait quelque chose, oui. But I was going to do a whip from one head to the other. Faire un whip, un fouet. Like this. C'est un filage, on appelle ça. But because they are coming together, parce que ils the whips get less and less. L'enfilage. Ah oui, oui. Until it was vibrating. Ah oui, oui. And to get the vibration et pour obtenir la vibration in the camera, dans la caméra, of the emotion of the two coming together. Les deux qui se réunissent. Oui. Would have been interesting. Ça aurait été intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui. Let's try it sometime. Mais quand même, est-ce que c'était bien ça? Est-ce que c'était bien doubler une image sur deux dans l'approche des visages? Non. Non. C'était fait sans trucage à la prise de vue? There was no tricking? Non. Ah oui. Et dans la main, on collait non plus? Live now. Ah, catch a thief. You mean in the scene, I got a pulsation. I made the camera do this. On a dolly, backwards and forwards. Sur une dolly, ah oui. En arrière. Mm. C'est un mouvement qui est obtenu uniquement à la main en secouant la dolly. Oui. Mm. Ah, c'est drôle. Hein? Ça donnait l'impression d'un trucage de laboratoire. Non. Ah.